Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, on va essayer de terminer l'enclos des phoques. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait quelques modifications hors vidéo. Donc j'ai designé les piliers là déjà. Je vous l'avais pas montré encore ça. Les piliers de soutien du téléphérique. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas de. Y a pas de truc là. Bon, tant pis. Et j'ai fait un petit jardin là, un petit peu. Hop, voilà, là j'ai mis un petit kiosque d'information. Et j'ai fait un petit jardin là, avec des petits animaux en sculpture florale. Voilà. J'ai également mis des tables là-dessous. Et deux boutiques avec ici les toilettes. Voilà, une petite porte ici pour faire genre ça rentre dans le bâtiment. Alors je crois que c'est des boissons. Ouais, des trucs de boissons. Voilà, pour donc je crois que j'y améliore un petit peu. Je mettrai peut-être des poubelles, je mettrai peut-être des petites décos, parce que je trouve que ça fait un petit peu fade, mais bon, on verra. On verra plus tard. Ok. Donc là pour le moment, aujourd'hui, on va essayer de finir cet enclos-là. Je crois pas que j'ai fait d'autres choses par là. Là j'ai terminé cet enclos là, je crois que je vous avais montré déjà la rue là, hein. Il me semble, pas sûr, c'est peut-être pas sûr, je me souviens pas, donc là j'ai rajouté des bâtiments ici, ouais je l'avais peut-être pas fait ça dans la dernière vidéo, je sais plus, ah bah si puisque j'avais parlé que je voulais faire un truc à l'intérieur, je suis bête, voilà, j'ai mis les pierres aussi là ici, voilà, j'ai créé mes pierres là pour avec un arbre et tout pour faire stylé. Ça, je sais plus si vous l'aviez vu cette déco. Ben voilà, vous la voyez. Voilà, donc j'ai décoré ici et voilà ce que j'ai fait. Donc maintenant, on va s'occuper de l'enclos des phoques. Les gros phoques, ils sont beaux. Hop. Allez, donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? Le terrain, donc là, le terrain, maintenant, c'est bon. Hop, l'environnement. Alors, les plantes. Bon, il y a des plantes qui leur plaisent pas, mais bon, ça, c'est pas trop grave, encore. Alors, il faut Europe, tac, 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 voilà. Donc, ça, c'est trop bien. J'ai découvert ces raccourcis, là, il n'y a pas longtemps, pour activer les filtres directement depuis là. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de plantes hein, apparemment. Donc on va en mettre un petit peu. Moi j'aimerais bien mettre des trois petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre? C'est sympa ça, c'est joli. On pourrait leur mettre des petits trucs comme ça ici. Ah, il manque des rochers là un peu. Ouais, bon ça fera l'affaire. Déjà on pourrait leur mettre dans l'eau pour commencer quelques nénuphars. Ok, faut se mettre nickel aura. Là, comme ça on est bon là? Non, si je fais. Ah non, ça marche pas. Ça, c'est dommage que les plantes elles détectent pas la surface de l'eau. Clac, voilà, comme ça. Ok, on va prendre un gros là. Hop, et un peu moyen par ici. Ok. Ensuite, on n'a pas des plantes sous-marines aussi. Ça, c'est moche. Des érables. Des vignes bizarres. Oh, ça c'est trop gros. Ça c'est quoi ça? Épine noire. Moi j'aurais plutôt vu. Voilà un saule pleureur. J'aurais bien vu un saule. Même si le côté sable fait pas très saule pleureur du coup. Mais bon. Pourquoi pas? Par contre il y a ce. Je l'aurais bien mis par là, moi. Que
comme ça, voire même quasiment la contre. Hop. C'est pas mal ça. Avec un peu des roseaux. Voilà, comme ça. Non, du tout. Voilà. Du coup, je ferais que je mette un petit peu des plantes. Ça, c'est sympa. Mettre des espèces de d'arbres comme ça. C'est pas mal. Ça rend bien. Un petit bouleau blanc, là. J'aime bien aussi. Clac. Voilà. J'aimerais bien mettre un peu de plantes au pied de cet arbre. Voilà. Voilà, des trucs un peu comme ça. C'est très bien, ça. Non. Non plus. Ouais, ça c'est pas mal ça. Voilà. Faire un espèce de petit buisson là, voilà. Ça me plaît bien. Ok, il y avait ces trucs aussi. Hop. Voilà. Zou. Bon, ils en résonnent beaucoup, alors attention, ça se trouve j'ai déjà dépassé. Non, mais j'y suis presque. Ça doit être 15%, je pense. On va mettre quelque chose un peu par là, là ça fait un peu vide. Mais là c'est pas mal, je trouve déjà. J'avais vu un arbre qui avait l'air sympa. La glycine, mais là non. Ça va pas le faire. Bon, les petites fougères, évidemment. Hop. Il est où cet arbre que j'avais vu l'autre fois? Ah, c'était ça. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est rigolo comme arbre. Ça va bien, là, dans le sable. Ouf. C'est marrant comme arbre. C'est marrant comme arbre. Et là, je pense qu'on doit être bon. Ouais, pas mettre trop non plus. Hein. Donc je crois qu'on va laisser comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Ok, alors optimisation. Ah bah alors là, il faut aller voir dans la Zoopédie. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Touc, touc. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Un gros ballon, ouais. Ça semble évident. Un gros ballon, une quille et un canard en plastique. Ainsi qu'une mangeoire sous-marine. Alors. C'est où déjà? C'est dans Habitat. Optimisation. Je suis pas allé voir les optimisations alimentaires aussi. Alors. Mangeoire sous-marine. On va se mettre dans l'eau. On va la mettre par ici. Clac, on va peut-être même la cacher, non? Ça fasse mieux, non? Un gros ballon. Le gros ballon, on va le mettre ici. Hop. Et un canard en plastique. Ou une grosse quille. Une quille. Tiens, la quille, on va la mettre par là. C'est peut-être bon, non? Ça va faire beaucoup après. Canard en plastique. On va le mettre là, le canard en plastique. Oula. Hop. Voilà. On n'avait pas des plantes sous-marines là? Non. Ça, c'est la plante
sous-marine, ça. Hop. Voilà. C'est pas mal, comme ça ils vont venir manger, les gens pourront voir... pourront y voir dessous. C'est pas terrible ces pointes-là. Ouais, bon, tant pis. Ah, j'avais pas vu, quand il pleut, il y a même les gouttes d'eau sur l'eau. Ouais, c'est pas terrible ces trucs-là. Est-ce qu'on peut pas y lisser ça? Est-ce qu'on peut pas y lisser? Non, ça se lisse pas ça. Ah non, quand c'est dans l'eau, je peux plus toucher. C'est pénible ça. Ouais bah tant pis, ça reste comme ça et puis c'est tout. Ça reste comme ça et puis c'est tout. Alors, du coup, là on est bon, là on est bon. Là, il faut juste, faudra juste que je mette lecture. Ah bah, mangeoire alimentaire, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, et bah voilà. Population sera bon. Et bah voilà, on a notre enclos qui est terminé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc... maintenant, on va falloir ajouter. C'est où? C'est dans les services, je crois. Service visiteur. On enlève les plans. Voilà, une boîte à dons. On va en mettre une ici, par là. Je peux la déplacer comme je veux. C'est chiant ça. On va la mettre ici. Et on va en mettre une autre. Ici, clac, puis une par là, hop, voilà, donc il nous faut aussi, on verra après, c'est où déjà, là, support éducatif, un point d'observation, ah oui ça c'est un nouveau truc qui a été ajouté. Webcam d'habitat. Comment ça marche? Ah, je dois pouvoir mettre des caméras. Attendez. Ça pointe vers où ce machin? C'est où la caméra? C'est le petit rond dessus là? Ouais, sûrement. On doit pouvoir mettre des caméras et les retranscrire sur des écrans parce que maintenant il y a plein d'écrans qu'on peut mettre de partout. Donc bon, je sais pas, on verra. Alors les le truc des phoques, on va le mettre tout, on va le mettre par là quand même, c'est mieux. Je sais pas si ils vont pouvoir le nourrir là. Les phoques, pas d'électricité. Ah zut, tiens ça c'est un truc que j'ai oublié. ouais, exact. Exact. Électricité là. Oh oui. Oh là là. Oh, oh c'est moche ça. Oh là 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 là. Mince. Oh il y a des trucs électriques là-dedans. C'est quoi ça? C'est des poteaux mis à l'envers. Ah merde. Ah c'est drôle. C'est des panneaux mis à l'envers. Mais faut que je les désactive alors tous ces trucs. Sinon ça va faire de la lumière la nuit. Ouais, faudra que j'y pense. Alors les boîtes à dons, on va les habiller. Je crois que j'avais un truc pour les habiller. En moderne. C'était ça, mais je crois que c'est pour les poubelles ça plutôt normalement. Ça va être trop petit pour les boîtes à dons. Ouais, ça fera le taf. Ça fera le taf. Clairement. Clairement, ça fait le taf.
Hop. Zut. Voilà. Non. Pas mal. Ok. La même chose sur la dernière boîte à dons là-bas. Hop. Il est où le plan? Le plan, le plan, le plan. Là. Alors, zou. Ça doit être bon. Nickel. Parfait. Ok, parfait, parfait. Donc les boîtes à dons, on est bon. Il faut mettre un panneau d'information maintenant. Est-ce que j'en mets un par là-bas aussi? Ou ce sera juste les... Ou ce sera... Non, pas forcément. Ouais, les panneaux, on va les mettre là-bas. Alors, est-ce que j'en avais des panneaux d'information? Il me semble que oui. Pas mal ça. Je l'ai pas posé quelque part déjà. Non. Non. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ça c'est quoi? Non, ça c'est sur l'Afrique. Sûr que j'en avais un. Je suis sûr que j'en ai pris. C'est quoi ça? Ah, c'est autre chose ça. Cute but useless. Très bien. Ça pourrait servir à mettre sur un bâtiment. Comme ça. Comme ça pour donner un peu de hauteur. Par exemple. Ou là-dessus. Par exemple. Je vais attendre de voir parce que ça faut que je le modifie ce truc-là. Là. On verra. Ok, bon. J'ai pas de truc autre que ça. On va faire avec ça. Ah ouais, ça c'est le truc que j'ai oublié de mettre de partout. Les ATM, enfin les distributeurs de billets. Je vais peut-être en mettre par là, tiens. Là ce serait pas mal là. Ouais, je pense. Bon, j'ai que ça alors. Parce que j'ai des trucs comme ça d'informations, mais pas des trucs d'animaux. Ah oui, j'avais ces trucs là aussi, qui sont où d'ailleurs? Là-bas? Là? Ouais, j'ai ça, après pourquoi pas, à la limite. C'est presque plus joli ça, mais c'est pas une... Ce n'est pas une loutre. Ah, ça c'est pas mal. Ça serait pas mal. Ou ça? Ah bah ça? Ça c'est un phoque, on est d'accord? J'ai pas d'autres animaux qui ressemblent à ça. Hein. La zoopédie, c'est là. J'ai quoi comme animaux marins? Ouais, c'est les phoques, c'est ça. J'ai pas de loutre ou... Ah si, j'ai une loutre, je crois. J'ai une loutre géante. Ouais, mais la loutre géante, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc l'autre, c'est bien le phoque, c'est pas autre chose. Ouais, ça, c'est le phoque, ça. Allez, bon, on va prendre ça. Hop, on va enlever ça. Et on va le mettre... par ici. Là, ça va faire trop, là.
Quoique. Ouais, si ça va faire trop. On va le mettre par là. On va le mettre par là, ce truc. Tchouk. Hop. Avec. Donc ici, on va mettre. Non, c'est pas ça que je veux mettre. Déforestation, on s'en fout, n'importe. Hop. Là, on va mettre le phoque gris, ouais, très bien. Là, le phoque gris aussi. Très bien. Ah oui, l'électricité, putain, l'électricité. Je vais y mettre où? Je vais y mettre où? Pas où je vais mettre de l'électricité parce que j'en ai là-bas là du coup, mais c'est tout. Ah oui, d'ailleurs je pourrais pas faire venir des visiteurs là si j'ai mes trucs électriques là qui font du bruit, qui ont un impact négatif. C'est pas grave, si je mets un truc là, les visiteurs viendront y voir d'ici. Ouais. Où c'est que je vais pouvoir mettre un truc électrique sans que ça dérange les visiteurs? Oh, sinon faut que je mette il faut que je mette des panneaux solaires. Mais j'ai besoin de quoi en vrai? J'en ai besoin de là pour les boutiques, c'est tout. Le reste on s'en fout un peu. Là, les fenêtres, s'il n'y a pas d'électricité, on s'en fout. Là, tous les trucs là, on s'en fout, à part les boutiques. J'ai besoin des boutiques, mais à la limite, là, je peux faire un truc derrière, là. Là, je peux faire un truc comme ça, là, par là, là. Qui serait accessible que par les ouvriers à l'arrière. Les employés. Ouais. À la limite, là, je peux faire la même chose ici aussi. Je peux mettre un truc électrique par là. C'est quoi l'impact négatif là? Ouais, ça va pas loin. Je peux mettre un truc d'électricité dans les rochers à la limite là. Comme ça là. Non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Ou là là. Ici. Non, ça veut pas rejoindre là. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Ça se fait pas automatiquement, faut que je le fasse à la main. En général, ça aime bien s'accrocher automatiquement au chemin, non? Bon, si je mets mon truc là, là, que je prends mes allées là. Non, ça veut pas. Non. Je peux pas le déplacer ça. Je ne peux pas déplacer ce truc, je peux pas faire X. Putain, quelle horreur. Quitter. Quitter. Voilà. Merci. Ok, donc là je me mets à peu près à la hauteur du truc. Voilà, je me décale assez loin. Pas trop loin non plus, mais par là. Ok, si maintenant je mets une allée. Ah, oh, mais putain! Je peux pas faire. Ah ouais, faut que je le fasse là. Je peux pas le faire dans la pente. Ok. Donc ça, on le déplace. On enlève ça. On quitte. Allez, voilà. Ah, là ça passe. Touk. Ça va faire un peu chelou, dégueulasse, mais ça a l'air de passer. Si je le mets là, comme ça, dans les rochers, là.
Là, on n'est pas trop mal, non. Faudrait pas qu'il y ait d'escalier. Je peux le foutre comme ça. Hop. Clac. 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 Là, je prends ce gros rocher. Je fais CTRL X. Hop, on cache le truc dans les rochers. Bon, par contre, il y a cet arbre qu'il va falloir bouger aussi là. Voilà. Ok. Voilà. Parfait. On va pousser ça aussi. On va mettre plus par là. Voilà, nickel. Et donc là, en électricité. Bah voilà. C'est pas beau ça? Hein? C'est pas beau ça? C'est juste parfait. Oh, il manque juste un tout petit poil de truc pour ça. Ouais, mais ça, de son, fallait que je le déplace. Ça, on va le mettre par là. Clac, voilà. Nickel, là, il va falloir que je mette des plantes derrière. Ah oui, on avait dit des ATM. On va décaler ça par là et ça par ici. Hop. J'avais des trucs pour les ATM. Distributeur de billets. J'avais chopé un truc ça. Oh merde. Oh merde. Ça n'existe plus peut-être. Pourtant ça aurait dû le charger. ATM Classic Style. Abonner. S'abonner. Ok. Ok. Il paraît qu'il va avoir disparu, que je vais pouvoir le récupérer. Enfin, je relance le jeu, ce sera pour la prochaine fois alors. Voilà. Hop, avec la statue du dodo. D'ailleurs, comment. On va peut-être poser d'abord. Les ATM, parce que je sais pas comment ils se posent. Alors, locaux, non, service visiteur, finance, distributeur de billets. Ouais, voilà. Ça se pose comme ça. Alors, on va en poser un d'abord. Plan. Je suis fatigué. Plan, plan, plan. Rang, plan, plan. Ok, donc là on prend ça maintenant et on vient le mettre dessus. Et on va essayer de faire ça nickel. Oups. Alors, ça c'est plutôt pas mal, non? Ok. Alors vraiment, je crois que je ne peux pas sélectionner les deux d'un coup là. Ouais, il faut que je fasse X. Non. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, je sais plus comment on fait.
Alors par contre là il n'y a vraiment pas besoin de ces plantes là sur les côtés là puisqu'on mettra des plantes derrière. Ok. Par contre du coup on peut faire alors quitter CTRL X. Eh ben non pas CTRL X du coup ça va faire de la merde. Ok donc on peut dupliquer ça par contre. Je peux pas le mettre dans le groupe ça. Hop. Par contre, il est pas bien droit en fait. Ouais. Là, il est plus droit, non? Ouais, c'est pas mal. Hop, contrôle D. Je sais que je suis très perfectionniste. Là. Paf, c'est pas mal. Donc j'ai mis plus bas. Ok. Et voilà, deux distributeurs de billets. Parfait. Il n'y aura plus qu'à mettre des plantes derrière là et on sera bon. Ok, donc. Donc voilà, il nous restera après à faire l'enclos ici des flamants roses, puisque maintenant j'ai fermé, là j'ai fait la porte. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je voulais prendre ça moi. Et je voulais le mettre par là, là. Faire un espèce de panneau. Clac. Qu'est-ce qu'on a comme panneau là qui ressemble à ça là? Autocollant. Non. Enseigne, voilà. Enseigne diverse. Pas une espèce de truc qui pourrait représenter. Ah voilà une loupe. Très bien. Par contre je peux pas la grossir. Un peu petite. Des yeux. Là on va faire comme ça. Je peux pas y grossir ça. C'est dommage. J'aurais bien voulu grossir ce truc. Ça aurait été pas mal de pouvoir grossir ce truc là. Parce que là du coup ça fait un peu... Ouais bon, pas mal. C'est pas... C'est pas oufissime, mais ça passe. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, on a un truc, on a un truc. On a un truc. Alors c'est une personnalité, donc c'est celle où on peut mettre du texte dedans. Enlever ces plans là parce qu'on voit rien. Service, boutique, animaux. Ok. Ok, ok, ok. Donc si je prends. Ah, il est où celui-là? Je suis aveugle ou quoi? Ah si, c'est là le phoque gris. C'est quoi ça?
cette histoire? Mais pourquoi je le vois pas mon truc là? C'est quoi ce bordel? Putain, j'étais mis dans le truc. Ah oui, je pouvais changer les couleurs. Non, bah non. Ok, donc c'est bien celui-ci qui était utilisé là, j'étais pas sûr. Parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a certains objets qui peuvent être resizés, mais en fait je suis pas sûr du tout. Bon, alors là on est pas mal. On a notre truc des fois qui va là. Ouais, faudra peut-être que je décore. Ah oui, faut que je m'occupe de ça aussi. Faudra que je m'occupe de ça. Ok. Bon, on s'en occupera la prochaine fois. Donc on a fini les phoques, on a mis l'électricité. Les eaux. Ah, je sais pas regarder l'eau d'ailleurs. Zut, ah oui, il y a de l'eau là. Non, c'est pas ça du tout. Traitement de l'eau. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. On va être obligé de mettre un truc à côté de là-bas. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Sinon l'eau de là, elle va être vite dégueulasse. Ou alors il faut se débrouiller pour que l'eau vienne dessous là. Ou que l'eau là rejoigne cette là. Par-dessous. Ça se pourrait. Ça pourrait se faire. Ah ouais, mais non, parce que la première fois qu'ils vont se barrer. Avec une grille. Si je mets une grille. En vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Ah, plus maintenant. Plus maintenant. Parce qu'en plus, si je l'enlève, l'eau, je pourrais peut-être pas la remettre. Ouais, non, ce sera pas faisable de toute façon. Parce que l'eau là est pas au même niveau que l'eau ici. C'est-à-dire que là j'ai plus profond d'eau. Ouais, là j'ai un petit peu plus profond d'eau. Ok, bon. Donc bah ici on va mettre un truc de traitement de l'eau. Parce que c'est pareil, ça fait du bruit les trucs de traitement de l'eau. Hein. C'est pas dans Habitat. C'est dans Service. Là, traitement de l'eau, traitement de l'eau. Eh oui. Ça fait du bruit également. Zut. Je suppose que je peux pas y foutre dans un enclos. Évidemment. Ah, et puis maintenant, là, c'est mort de chez mort. Évidemment. Y'a quoi, là? Y'a ma boutique, là, mais ils viendront jamais ici, mais... Les passants... Oula! Oula, j'avais pas vu ça aussi. Zut! Zut, zut, zut. J'ai des pierres qui viennent dans le magasin. Si j'y mets par là. Ah! Ah, je suis perdu! Ok. Il va falloir que je me déplace comme ça. Voilà. Donc là, si. Si j'y mets là. Est-ce que je peux y mettre là? Je peux pas y mettre là, là? Allô, descends. Traitement de l'eau. Clac. Il est où le... Là. Voilà. Si ça, j'y fous comme ça. C'est quoi ce truc? Ah, c'est ça, putain. Ok. On va faire pareil, on va le mettre là dans le... Dans le... Dans les pierres.
Hop, quitter, touc. On va juste supprimer ça. Voilà. Et pareil, on va le cacher. On va le cacher par des pierres. Hop. Tac. C'est le truc qui se fait bien. Hop. C'est très bien, c'est parfait. C'est parfait, ça me convient. Et puis du coup, maintenant, on doit avoir de l'eau ici. Voilà. On peut traiter cette eau, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Prochaine fois, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on définisse les zones d'employés ici, qu'on ajoute des employés, et que... Donc on définisse la zone Europe, là. Pour les employés, ce serait pas mal. Ok, voilà, donc petite vidéo de 40 minutes, c'est pas mal. Du coup, on va s'arrêter là pour cette fois. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis, eh bien, à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao.